Salut à tous, c'est Kevlar830 pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. J'ai complètement perdu le fil, donc je ne sais pas du tout quel épisode c'est. Le 30 et quel, 34, 35 peut-être, je sais pas, 36, je sais pas. Peu importe, ça fait longtemps que je n'ai pas pu tourner. Alors, c'est parti. Je suis actuellement en live sur Twitch. Je savais qu'on m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas sur YouTube, mais c'est parce que c'est une question d'affinité avec la plateforme Twitch, en fait. Et les add-ons, tout ça, qu'on peut mettre dessus, donc voilà. Mais bref. Et je dois faire des tests, savoir s'il y a du décalage ou pas sur le stream, du coup. Donc attendez, je vais attendre la fin du chargement pour savoir. Et je dirai « Test !» quand le chargement est fini. N'ayez pas peur, c'est normal. Surtout... N'ayez pas peur. Ne stressez pas. Si vous stressez, vous risquez de faire une crise cardiaque comme dans le jeu. Attention. Si le jeu veut démarrer un jour, par contre, ce serait bien ça. Le lancement est toujours un peu long. Allez, ça a pris. Alors, je n'ai pas du tout prévu. Test. N'ayez pas peur. C'est normal. Peut-être un peu entre l'écho. Je n'ai pas du tout prévu. Test. C'est bon. Le test est parfait. Génial. Bon. Rien n'est prévu. Je ne sais pas. Putain, on a plus de 100 000 dollars. Ok. Je disais donc, rien n'est prévu. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme mission, ni rien du tout. Si on fait un boss, j'en sais rien du tout. On va faire ça au pif. Le truc étant que nous allons avoir moins de proba de vertu dans la prochaine quête qui... Voilà. Hein. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, mais bon, tant pis. Mais peu importe. Le hameau grandit pas mal, hein, j'en ai bien. Donc le forgeron est au max. La guilde est au max. La diligente est au max. On a pu récupérer... In time. You will know the tragic extent of my failings. J'ai récupéré quelques pages en plus, je sais pas si j'ai montré en vidéo ou pas, mais... Bon, je n'ai toujours pas les histoires en entier, donc j'attendrai ça, je farmerai ou quoi s'il faut un jour. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, comme vous avez vu, le survivaliste a une toute belle tente maintenant. Il ne lui reste plus qu'un niveau augmenté, il sera au maximum, du coup on pourra augmenter les capacités de nos personnages sans gaspiller trop d'argent. Pour ce qui est du sanatorium, on est pas mal bien aussi. On a bientôt... Bah en fait, c'est de débloquer les cellules de l'aide médicale et psychiatrique. Ensuite, nous avons la taverne qui, elle, est encore à moitié, donc ça va. Et l'église, comme je vous l'avais dit, j'ai augmenté au tiers juste pour que la gueule soit un peu plus belle. Parce que bon, avec le clocher cassé, etc., c'est un peu pitoyable. Donc voilà, il y a juste la roulotte où... Bon voilà, c'est des gitans, on s'en fout des gitans. Désolé. Donc voilà. Est-ce qu'on peut échanger? Ah ouais, j'avais dit que je voulais échanger les trois comme ça, mais que c'était un peu nul, je pensais, non? Non, je vais garder les contrats pour le moment. Bref, donc nous avons 100 000 pièces d'or. Piastres. Lui, il n'a plus de maladie, de manie. Ok, plus de manie pour Exo, ça c'est quand même... énorme, hein, parce qu'il avait tellement de manie, j'ai dû lui faire soigner, faire plein de thérapies, lui, c'est abusé. Ilan, fait longtemps qu'on l'a pas sorti, je pense qu'on va essayer de le sortir bientôt, Ilan. Peut-être même maintenant, on va bien voir. Ah oui, non, il est niveau 5, du coup ça va être compliqué. Ah, c'est chiant ça, il faut que je monte des gens niveau 5. C'est obligatoire. Bon, qu'avons-nous en proposition? 4 portraits, c'est pas mal ça. Le roi porcin niveau... Niveau vétéran. Sauf que le roi porcin, la dernière fois qu'on l'a vu, il a fait mal quand même. Mais genre très mal. Ah. On a même perdu quelqu'un, donc ça j'ai un peu peur du coup. Nous avons quoi ici? La harpie. La harpie, c'est laquelle? C'est avec le chaudron, ça, non? Ça peut se tenter, ça limite. Pour 8 contrats, c'est pas mal. Même si on a plus de contrats, qu'on doit les convertir en autre chose, mais pourquoi pas. Sinon, 3 contrats, des combats. Nécromancien.
Il commençait en avait eu facile avec, mais apparemment c'est un des boss qui est le plus équilibré, donc c'est ni facile ni, trop dur en fait lui, mais bon. On verra bien. Oui, 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 c'est qui ça? Qui êtes-vous? Vous êtes des gens... Ouais... Je pense que c'était les derniers, la dernière quête avec des... Allez... Le dernier boss, à mon avis, on a dû faire avec ces gens-là, je me souviens plus. Bah du coup, je sais pas si on va le garder, donc... Ah merde, il veut pas. Il veut faire quoi, lui? Interdit de jeu, ne peut que prier, voilà. Ok, on va le faire prier, du coup. S'il veut prier. Ok. Bon, trêve de bavardage, il faut qu'on fasse une équipe et qu'on envoie des gens se péter la gueule. Et est-ce qu'on est des tarés, on envoie ce contre l'harpie. Le corridor est toujours pas rentré, on sait pas où il est. Moi je dis la harpie, ça se tente. Ouais, ça se tente grave. J'espère que je te fais pas une connerie, évidemment, mais bon. Qui enverrons-nous? J'ai envie de faire un truc, Tashington, avec ça. Ils veulent pas aller. Donc, admettons, Washington, Anki Vance, Rexo, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec Noctis? Il y a des attaques qu'il peut se faire à toutes les positions, lui. Ouais. Lui, pareil, pas en première position. Lui, ouais, c'est bon. Et Noctis peut attaquer de partout, donc pourquoi pas Noctis? Les gardiens. Bon. Alors. Attendez, je fais un truc aussi. Que j'ai testé quelque chose. Ok, je suis toujours en stream. Je vais voir si je peux gagner des FPS en arrêtant d'enregistrer la rediff du stream, de toute façon, vu que j'enregistre la vidéo. Bon. Anki Vance, Noctis, Dashington et Rexo vont peut-être mourir, on sait pas. On va espérer que non, hein. Et s'ils réussissent, du coup, ça fera Dashington, Rexo et Anki Vance niveau 5, du coup. Noctis, non, il est trop loin pour monter d'un coup, je pense, donc... Allons voir les provisions. Quelques clés, un peu de ça, mais beaucoup de ça. Bon, on va dépenser sans compter, hein. On est... Allez. Comment il s'appelle encore? John Hammond. Ok, KLM, quoi. On prend de la bouffe. Ouais, je prends tout, allez, je prends 24 de bouffe, on s'en bat les couilles. On part avec 6000 de stuff. Est-ce que je prends des torches? Non. On va prendre des eaux bénites. Allez, on est des fous? On est des fous. Go, c'est parti. Désolé pour la longue attente comme d'habitude. Knowledge of horticulturalism and its role in various arcane practices impressed me greatly. My licentious impulse gave way to a genuine professional respect and together we began to plant, harvest, and brew. And brew. Je fais une petite ellipse pour regarder si le son est bon ou pas sur le jeu. Et sur ma voix. C'est bon, apparemment tout est parfait, tant mieux. Et on commence en repérage, allez. Combat là-bas. Alors on va éviter le combat pour le moment. Enfin, on va éviter les combats. Tant qu'on peut. Et on verra bien si on continue à faire la quête après le boss ou quoi, si possible. Si on veut le terminer bien le truc, le donjon. C'est parti. Oh, grand attaque des blasons. Attendez. Bon. Est-ce que les FPS peuvent rester constants? Ce serait bien. Nature herself, a victim to the spreading corruption. The spreading corruption. Malformed with misintent. Bon. Allons voir quand même là dans le doute, hein.
C'est jamais que le boss soit si proche de nous comme ça. Arrêtez d'étourdir cette pute là, qui me fait chier en général. Ah, oh, évidemment, elle résiste. 30% elle résiste, quoi. Marqué. Ok. Allez! Ça commence déjà, au revoir! Oh, c'est Noctis! Noctis, gentil! Donc, Ivan se fait baver dessus. Oh putain, crédit sur le cadavre, dommage. Pas dommage, c'est bien, mais... Dommage sur le cadavre, quoi. Oh non, il lui reste un HP, du saignement. Oui! Voilà. C'est bon. That cuts on its own. That cuts on its own. Faites-moi des dons que je fasse que j'ai un nouveau PC. JPP. C'est chiant. De change de professeur, c'est ça, non, de processeur, pardon. Parce que c'est lourd, hein, au bout d'un moment. Putain, mais what the fuck? Il sort ça d'où, lui? Une critique à 19 d'un healer, quoi. Et lui, il fait 9 avec un couteau. On va essayer, on va achever lui, si jamais il peut jouer avant, au moins. Voilà, c'est mieux. En plus, une esquive. Allez, hop, hop, hop. Un qui vint, tu le one shot, s'il te plaît. Merci. J'ai confiance en toi. Un petit repérage des familles. This expedition at least promises success. Promises success. Des contrats, des bustes, on est bien. On s'en va. Ouais, allez-y, allez-y. Mangez. Mangez, mes enfants. C'est de l'espoir. Bon. Ah bah. Noctis mange des champignons. Oh non 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 non. Noctis mange des champignons, il aime ça. Noctis adore les champignons. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, je commence un peu à connaître les patterns, ce qu'il faut pour purifier, et ça c'est plutôt pratique. Parce que c'est pas toujours évident là derrière. Bon. On va partir du principe que le boss est au bout du petit serpentin là-bas. J'ai confiance. S'il était juste au-dessus de moi, je serais dégoûté, mais tant pis. Alors, un truc de lépreux. On peut jeter quelque chose. Oui, les torches. Ah, on va prendre ça. Je sais pas si on en a ou pas, donc dans le bout. Oh, le piège. And boogeyman. And boogeyman. Est-ce que ça vaut la peine de le soigner pour 6 de TK? Ah ouais, allez. En plus, s'il monte niveau 5, on pourra les EP avec des nouvelles armures. Enfin, en tout cas, pas Noctis, les 3 autres, mais... Et ça, c'est bon, par contre. Parce que j'ai envie de voir combien de PV il peut avoir maximum le croisé en Kiven. Et aussi, niveau dégâts, il doit faire du masse... Masse de damage normalement, j'espère. Alors, repérage, là on va savoir. Ouais. Non! Suspense, on ne saura pas. Il y a encore un blocage! Putain, mais l'ambiance de la futaie, quand, la nuit, comme ça, enfin, sans lumière. C'est tellement l'angoisse. Bon, c'est parti, combat. Oh non, des chiens. Oh, les connards. Ils vont tout jouer maintenant. Voilà. Saignement. Ah non. Oh, il est pas affecté, t'es sérieux, là. Merde, c'est lequel qui a joué, de chien. On va dire que c'était pas lui. Il résiste, putain. Oh, l'enfer, les chiens, quoi. Il va saigner et choper une maladie. Et du stress. Putain, 44 de stress pour Ankyman, c'est pas bien ça. Là, il va encore stresser. Voilà. 61 de stress pour Ankyman, ça fait longtemps qu'il a pas été si stressé, what the fuck. Bon, allez. Quoi? Même Noctis, il est en mode. Que viens-je de faire?
Bon, accuse-les. Accusation de zélé, vous êtes des chiens. Bande de chiens. Oh putain de merde. Bon, au moins il a résisté à la maladie, Rex, c'est déjà pas mal. Putain, mais ils font mal. Stop le stress, stop stress, yeah yeah. Le saignement, ça fait mal. Continue the onslaught. Destroy them all. Combien de temps encore? Deux tours. Mm. Oh putain, oui, ok. On lui a fait trop mal là. Enfin là, il meurt. Je voulais essayer de gagner un tour. Mais... voilà. Bon, bref. Ah, repérage à nouveau. Le boss est là-bas, c'est bon. C'est bon, on ne panique pas. On va du coup camper dans la pièce juste là, la suivante, et on sera bien. Par contre, du coup, est-ce que j'ai encore besoin de pelle? La question que je me pose, on va dire que non. Allez, on prend le risque. Oh merde! Trinkets and baubles. Bon, la cyprine, on s'en fout. On va faire manger un peu des gens. Voilà. Et toi, il faudrait quand même que tu te soignes. Voilà. Alors, je rappelle, il y a le chaudron de la harpie hein, qui va nous faire chier. Qu'elle va nous foutre dedans et après, on va perdre la vie si on le détruit pas. Et du coup, ça risque d'être très chiant. 18 ans, Noctis, il fait des dégâts, mais c'est malsain, quoi. Vraiment, c'est malsain. Étourdi. Oh, le 13, parfait, Rixo, putain. Depuis que je lui ai enlevé ses afflictions, enfin, ses manies, pardon, il vient péter, l'air de rien. Franchement, je suis content. Bien joué d'abord, voilà, ouais. Quoi? 8 de critique, mais nique ta mère. 69, oh. Ah, dommage. C'est beaucoup de dégâts, l'air de quand même. Hein. Bon, Noctis, venge-toi! Oui! Give them no quarter. Putain, mais il y a tellement de thunes! Oh. Oh. Là, c'est une bataille, pas de coffre. Mais la clé, la clé, je préfère quand même la garder. Ça, c'est chiant. Que jeter. Le feu de camp, j'en ai besoin pour une fois. L'eau bénite, je voulais l'utiliser aussi, mais bon. Ah. Est-ce qu'on enlève les bandages? Est-ce qu'on enlève le poison? Bon, allez, on risque d'enlever le poison, tant pis. Il nous faut de la thune quand même aussi, il faut l'air de rien. Et juste après, il faut quoi? Il faut du poison. Putain, quoi. Mais pour la peine, je vais quand même essayer. Non, bon, on en essayera sur le tour. Ça, c'est vraiment la chance. Hein. Attendez. Feu de camp. C'est parti. Circle in the dark. The battle may yet be won. Ok, faisons un festin. Ça ramène tellement d'HP, ça, putain. Alors, K-Unkivans, encourager un compagnon et réduire le stress. Seulement 100 réduire le stress de 15. Réduire le stress de compagnon pendant 4 combats, ouais.
Ok. Rexo. Réduit le stress. Réduit le stress. Réduit le stress. Plus 15 de protection pendant 4 combats. Si. Ça, c'est pas mal, ça. Pour tous les compagnons. Ah. Ah. Bah, ça, on met. 5 protection, 15 protection pour Anki Vance. Donc, du coup, ça le ramène à 38 de protection. C'est pas dégueulasse, hein, franchement. Là, il a une vraie protection. Ça va être un vrai tank, il y a moyen. À part s'il tombe dans le chaudron, évidemment. Mais bon, ça, on l'a du DPS avec le mercenaire, normalement. Alors, qu'a-t-il de bien, le médecin de peste? Il s'en suit. Supprime le poison de la cible, ouais. Soin 15%. Soin 15%. Soin 20%, mais on est déjà full light, de toute façon. Seulement ça, plus de précision pendant le combat, ouais. Et le mercenaire, il a... Supprime le saignement de la cible. 25 dégâts versus... Attends, c'est quoi? Versus taille 2. Est-ce que ça veut dire les monstres qui font une taille de 2 de cases? Parce que du coup, la harpie fait 2 cases. Ce serait assez pété. Ouais. On va mettre ça. Plus grand ils sont. Ouais, c'est ça, on a vu. Plus grand ils sont, plus lourd sera la chute, ouais, tout comme genre. Réduit le stress. Non. Bon, on peut peut-être refaire ça du coup. Seulement ça. Plus de probabilité de repérage. 35%. Allez. Je vais inspecter les environs pendant la nuit. Et on n'a plus rien à faire, je pense. Voilà. On repose. On se repose, pardon. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. Les choses se déroulent selon le plan. Nous sommes la flamme. Merde, j'ai pas eu le temps de dire Rexo! Il a cliqué tout seul. Oh. Réveille-toi, ils sont près de nous. Ah, putain! T'as imaginé, vous dormez. Oh, mais non, c'est de la merde, ça. Imaginez, vous dormez, et vous vous réveillez, et vous êtes réveillé par deux araignées qui font votre taille, presque. Non, n'essayez pas d'imaginer, moi je veux pas imaginer ça. Bah. Quelle horreur. Quelle putain d'horreur, quoi. La taille du machin, quoi. Please. Oh non, je laisse pas un HP comme ça, là. Merci. Back to the pit. Bon. On reprendra sur le passage. On aura moins de loot si on le fait avec... Enfin, on aura peut-être moins de loot si on le fait avec la lumière allumée, donc... C'est parti! C'est parti, les amis! Elle a 99 HP. On peut pas l'étourdir, ou alors il faut qu'on ait plus, et on a... Combat étourdissement 129, donc on aura que 9% de chance de réussir. Avec lui, on a... Pareil, 9%. Et avec lui, 9% aussi. Donc en fait, c'est tout la même chose. Pareil pour lui. Non, 154. Donc il y a peut-être moyen de l'étourdir avec Noctis. D'accord. Bon. Chaudron vide a beaucoup trop d'HP pour être détruit. Surtout avec 80% de protection, hein, on oublie. Bah écoutez, on peut directement tenter... On peut tenter de quand même l'étourdir. Fait un peu de dégâts. La résiste, évidemment. On va l'empoisonner. Si elle résiste. Oh, elle résiste pas. Pourtant, elle a 80%. Il fait combien de... 129%. Ouais, ok. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts. Il pourra peut-être sauver le mec du chaudron, du coup. Déplacement, on peut pas la déplacer. On peut essayer de l'étourdir, du coup. Non, dommage. Dans le pot. Oh non, Washington. Non. Oh. Oh, Washington. En fait, j'ai pas une bonne compo d'armée. Mais genre pas du tout. Oh, le critique. Bon bah, allez, Guillaume, reviens avec nous. Direct. On n'a pas le temps de niaiser.
attendrisseur. Et là, elle rejoue une deuxième fois, cette PNS. En fait, le, dans le pot, c'est comme si le chaudron jouait, en fait. C'est ça, le truc. Putain, mais je peux pas attaquer ? Ouais, c'est de la merde. Bon, attendez. J'aurais dû penser aussi que c'était qu'ils étaient deux tailles. En fait, j'avais oublié ça. Bon, au moins, on a Rizzo qui peut faire des dégâts à distance. Et Noctis pourra envoyer son crochet, même si ça fait pas de... Mais il insiste, hein, il veut absolument manger Guillaume. Apparemment, Guillaume a l'air succulent, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Hop, 17. Oh, ma chair, elle brûle! Assaisonnement, ce Rexo. Cette attaque est vraiment dégueulasse. C'est tellement malsain. Frappez le pot, frappez le pot! Vas-y, le pot, regarde la taille de ce truc, de ce parchemin. Ah, il repense à ça, je perds plus. Attendez, bon. ...5 HP. Lentement mais sûrement, j'ai envie de dire. Dans le pot, Rexo cette fois. Putain, mais Rexo cette fois, il faut des vrais dégâts, quoi. Mais quelle équipe de Branquignoles j'ai pris pour ce boss? Je suis trop con, en fait. Ankyman, il veut pas faire de dégâts, Ankyman, par contre. Hein, ça, il a pas envie. Bon, continue, hein, faire de dégâts comme ça si on peut. On grappille des points. Dans le pot, mais putain, mais laisse-nous le temps de. C'est grave ça quand même. Il va à peine sortir, le mec. Donc, il va s'occuper par sauver le pot, les gens du pot, du coup. Goûter le ragoût. Allez, cette pute, quoi. Il faut qu'on aille d'Ashington pour envoyer le poison. Il va crever en plus, quoi. Mais oui, un critique à Wick, nique ta mère. Tachin tellement angoisse. Ah, il est déjà? What the fuck? Oh non. Frappe pas Dashington. Oh, elle va le tuer. Oh putain, agonie. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez, essaie d'étourdir. Étourdis-la, s'il te plaît. Sois étourdi, salope. Ok. Allez, Dashington dans le pot, allez! Rien que ça à faire. En plus, il prend 5 d'un coup, quoi! Recule. Et il prend 5 à chaque fois, quoi. On va tellement perdre. On va tellement perdre, les gars. Mais elle peut jouer 6 fois! Et si je m'enfouis maintenant? Ankyman, c'est mort. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, ce combat. J'ai fait de la merde. Mais ils peuvent pas reculer de deux, ces connards, là. Putain, mais il prend cher, là. Est-ce que ça va qu'elle demande, en plus, quoi? A devastating blow. Dans le pot, lol, MDR. Mais putain, on n'a pas le temps de jouer! On peut rien faire, quoi. En plus, elle reprend sa vie à chaque fois, quoi. Bon. On va essayer de s'enfuir. Oui, oui, c'est ça. Encore en agonie, évidemment. À nous de jouer, à nous de jouer, à nous de jouer. On fouille. Injury and despondence set the stage for heroism. Mais putain, vous me décevez, les gars. Je pensais que vous feriez une bouchée de cette harpie de con, là. En fait, non. Vous avez merdé. Bon. Mais c'est un échec cuisant. Faut quand même récupérer la caisse, là.
Et puis, ben voilà, on va s'en aller, hein. Oui, oui, ben le stress, voilà, niquez-vous, quoi. Regroup. Reassemble. Ah, ça me dégoûte. Evil is timeless, after all. Elle arrêtait pas, elle avait trop de vitesse, quoi. Elle arrêtait pas de... On sentait un mec du pot, elle en mettait un direct, quoi. On a quand même récupéré un peu de loot. Bon, on a perdu un peu d'argent au passage, mais bon, voilà, c'est pas grave. Bon, évidemment, pas pris d'XP. Egomanie, ouais, super. Boulimique, ouais, super. Tir dévié. Ah, et tête dure, par contre. Écoutez, vous allez tous finir au sanatorium, les gars. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Ah, Hodor est revenu. Bon, mais je suis un peu déçu. Lui, il avait rien. Noctis ne pisse plus droit, apparemment. Bon, voilà. On n'a pas dû 5000 dans l'opération, quand même. On a récupéré des blasons, etc. Donc ça va encore, on va dire. Il faut 30 blasons. Buste, pardon. Survivaliste. Il faut 92. Combien je peux avoir de blasons si je mets tout? Je peux en avoir... Je pourrais en avoir 70. Si je donnais tous les bustes. 70. On aurait 88. Ouais. Et si je donne... Il faudrait que j'en donne 2 du coup. Ouais. Ouais. On peut attendre encore une quête, je pense, avant de payer ça. Bon, bah écoutez, je vais arrêter l'épisode ici. J'espère que vous aurez quand même apprécié, même si c'était un échec cuisant. Lol, cuisant, parce qu'il y avait le pot et tout. Ah, je suis tellement seul. Bon, je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Salut à tous, c'était Kevlar830.